moins, c'est une interpellation au sujet de l'activité africaine. Alors, le groupe Banque Centrale Populaire a réalisé au cours du premier semestre 2017 de performances économiques solides, avec un résultat net qui a progressé sur base sociale d'environ 14% et un résultat net consolidé qui a progressé de 9%. Cette performance a été permise dans un contexte de renforcement de la politique de provisionnement du groupe, aussi bien dans les comptes sociaux à travers la constitution d'une provision à caractère général additionnelle de 900 millions de dirhams et de la constitution d'une provision additionnelle en risque pays sur les pays africains. Cette performance a concerné aussi bien la BCP, les filiales marocaines, que les filiales en Afrique. Et justement, en ce qui concerne les filiales en Afrique, les performances ont été également remarquables, avec un produit net bancaire qui a progressé de 10% sur les 6 premiers mois de l'année 2017, une marge nette de la clientèle qui a progressé de 13%, tout cela, bien évidemment, dans un contexte d'augmentation de la concurrence entre les différents opérateurs bancaires pour le financement de l'économie, puisqu'on a un taux des clients qui a diminué de à peu près 30 points de base sur les 6 premiers mois de l'année. Alors, en même temps, sur l'Afrique, on a baissé notre coefficient d'exploitation de 4 points. Et puis, on a poursuivi notre politique d'expansion à travers, comme cela a été annoncé, la finalisation de l'acquisition de la BIA au Niger, qui nous a permis d'être numéro 1 du marché, avec une part de marché de 21% dans les crédits et de 26% dans les ressources. Nous avons également étendu notre réseau de microfinance en Afrique à travers l'ouverture d'une nouvelle filiale en Guinée-Conakry qui se rajoute à celle déjà opérationnelle en Mali et en Côte d'Ivoire. Je rappelle que le groupe a de très fortes ambitions dans la microfinance parce que la stratégie justement de la BCP est une stratégie long-termiste qui permet de s'insérer dans les politiques économiques et sociales des différents pays et notamment de contribuer à l'inclusion sociale et financière des populations et de financer les activités génératrices de revenus. Donc c'est pour ça que le volet microfinance est un élément important pour le groupe.